Salut à tous, c'est Jean-Paul Aymar. J'ai le plaisir de vous présenter l'émission du mois de décembre de « Et si on sortait ?» sur CLC Média. Au programme, l'actualité culturelle en cette fin d'année à Coutras avec du théâtre, deux expos, mais aussi le traditionnel marché de Noël, le concert de Noël qui aura lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste et un spectacle pour les enfants et pour les parents également. Tout ça, ça se passe à Coutras en ce mois de décembre. Je vous parlerai du théâtre dans la région et à Paris, des nouveautés musicales, des tournées des artistes qui se produiront en ce mois de décembre près de chez nous, ainsi que les films à voir. En raison des multidiffusions de cette émission, il se peut que certaines dates annoncées soient passées au moment de votre écoute. Du théâtre à Coutras, le 7 décembre, le théâtre des Salinières présente « Mariage et châtiment » de David Farao. Vous aurez compris qu'il s'agit d'une comédie et ça se passe au Sully le 7 décembre. Deux expos, la première du 3 au 14 décembre, Edwige Lafont vous propose une vitrine sur la diversité de ses œuvres et du 18 au 4 janvier à la conquête de la Lune. Souvenez-vous, dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la Lune en déclarant « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». Cette expo étonnante témoigne de l'imagination foisonnante des artistes et des journaux de l'époque qui ont relaté l'événement, c'est donc le 18 décembre au 4 janvier. Ces deux expos sont à voir à l'espace culturel Maurice Druon et détail important, elles sont toutes les deux gratuites. Vous aurez bien sûr compris l'allusion à Armstrong le musicien et l'astronaute. Et si on rajoute le coureur cycliste, comme disait mon voisin, il a un emploi du temps, c'est Armstrong, il est partout. Un événement à ne pas rater, c'est le marché de Noël de Coutras du 13 au 15 décembre au square du Docteur Berger. Vous pourrez y découvrir toute la magie de Noël avec des animations, de nombreux stands, des dégustations, des spectacles et des balades en calèche pendant 3 jours, du 13 au 15 décembre, le traditionnel marché de Noël, square du Docteur Berger à Coutras. Le vendredi 20 décembre aura lieu le concert de Noël avec la participation des élèves de l'école de musique. Vous pourrez entendre les traditionnels chants de Noël de l'orgue avec aussi l'Union musicale de Coutras qui jouera un répertoire festif, une soirée familiale en l'église Saint-Jean-Baptiste et encore là, une manifestation gratuite. Et puis un spectacle pour enfants et parents le 21 décembre, le Noël de Saperlipopette. Pour enfants à partir de 3 ans, la durée du spectacle est de 50 minutes et à l'issue de ce spectacle, un goûter sera servi aux enfants. Ça se passe au Sully le 21 décembre à 15h. Entrée 5 euros, spectacle plus goûter à ne pas rater. Eric Clapton, White Christmas. Cette mode des chanteurs et des musiciens anglais pour faire des chansons de Noël est moins répandue chez nous. Alors du théâtre dans la région et précisément à Vauclair, à la salle du Colibri, à l'occasion du Téléthon, le théâtre atelier joue l'une ou l'autre une comédie tout public. Cette soirée est organisée par les bénévoles de l'ASRAM et tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à AFM Téléthon. Si vous voulez passer une bonne soirée en faisant une bonne action, bien rendez-vous le 7 décembre, salle du Colibri à Vauclair. Et puis si vous avez l'idée de passer les fêtes de fin d'année à Paris, je vous conseille quelques pièces de théâtre. Tout d'abord, L'Invitation, une pièce de Adrien Racca avec Gad Elmaleh, Philippe Lelouch et Lucie Gène pour tromper sa femme. Charlie a inventé un ami jusqu'au jour où sa femme, eh bien, ça devait arriver, veut le rencontrer. Alors Charlie va devoir trouver un ami pour jouer ce rôle. C'est une comédie moderne et ça se passe au théâtre de la Madeleine. Attention, clôture le 2 janvier. Et puis le théâtre de la Michaudière vous propose un classique de Sacha Guitry, N'écoutez pas mesdames,
avec Michel Sardou, une distribution épatante avec notamment Eric Logérias, Patrick Rénal et Nicole Croisille. Pour les amoureux de Guitry, et ça se joue jusqu'au 9 février 2020. Et puis pour terminer cette sélection de théâtre sur Paris, depuis 1957, ça fait plus de 60 ans que le théâtre de la Huchette à Saint-Michel propose la même pièce, c'est quoi cette pièce? Eh bien c'est la Cantatrice Chauve de Ionesco. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est peut-être pour vous l'occasion de vous faire une idée sur ce chef-d'œuvre de l'absurde. Parmi les auteurs qui ont accompagné Ionesco dans ce genre théâtral, il y a Samuel Beckett, Jean Genet et Harold Pinter. C'est au théâtre de la Huchette. Pas la peine de vous y précipiter puisque ça se jouera encore dans 20 ans. Soyez rassurés, comme ils ont fait par le passé, ils vont quand même renouveler les comédiens. Pour cette fin d'année, eh bien c'est mon choix délibéré, des pièces divertissantes. Si vous allez sur Paris, eh bien c'est à voir. Vous êtes sur CLC Média et vous écoutez l'émission « Et si on sortait ?» C'était un extrait du dernier album qui vient de sortir de Jean-Louis Aubert. Je vous en ai parlé lors de l'émission du mois dernier. Et une petite place pour les humoristes. Maxime Gasteuil, l'humoriste originaire de Saint-Émilion, sera le 14 de ce mois à Floirac et nous raconte sa nouvelle vie à Paris. Et puis, les Inconditionnels de Kev Adams, il en faut pour tous les goûts, pourront le retrouver également à Floirac le 21 décembre. Et puis Jérôme Commandeur va faire un séjour prolongé à Paris puisqu'il va faire 4 dates, les 8, 9, 10 et 11 janvier au Fémina. Et puis à Paris, pour finir l'année, Jarry est à l'Européen jusqu'au 4 janvier. Et j'ai gardé Gaspard Proust pour la fin de cette rubrique, peut-être aussi parce que c'est de loin mon favori. Donc Gaspard Proust sera à la Comédie des Champs-Élysées. Attention, jusqu'au 29 décembre seulement. Arthur Rubinstein, grand pianiste. Gaspard Proust à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'au 29 décembre. Et maintenant les sorties musicales de cette fin d'année. Je vous l'avais annoncé lors de la dernière émission, l'album de Renaud, Les Mômes et les Enfants d'abord. Un album pour les enfants, mais surtout pour les parents. Et puis Garou, qui n'a rien produit depuis longtemps, sort un album où vous pourrez trouver, également pour les amateurs en vinyle, un album de reprises de grands standards, notamment les Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, et avec une puissance et une élégance rares. Julien Clerc a invité sur son album du haut des amis Francis Cabrel, Maxime Le Forestier, puis plein d'autres. Un grand casting pour de grandes chansons. Et puis pour clôturer ma sélection de ce mois, un style différent, Nathalie Dessay chante Nougaro. Il a fallu qu'elle réapprenne à chanter de façon différente, plus variété, avec la complicité d'Yvan Cassar, et oui, encore lui. Il a refait les orchestrations et c'est assez réussi. Bien sûr,
toutes ces nouveautés en leur place sous le sapin de Noël. À vous de voir, bien sûr. Cette chanson avait été écrite pour France Gall après leur séparation. Une chanson que Francis Cabrel aurait bien pu écrire, mais elle est de Julien Clerc. La tournée et les concerts près de chez nous le 11 décembre, Soprano à l'Arena à Bordeaux. Vous allez voir que les concerts se suivent. Le 12, Mathieu Chédid. Le 19, Mika. Et dans un style différent, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine se produira le 20 décembre à l'Auditorium du Grand Théâtre. Juste un petit rappel, en raison des multidiffusions de cette émission, il se peut que les dates soient déjà passées au moment de votre écoute. Eh bien, après Nathalie Dessay, le cinéma de Nougaro, je ne peux que vous parler des sorties de cinéma du mois. On dirait pas, mais les enchaînements, c'est travail. Hein. Donc au cinéma actuellement, j'ai choisi trois films différents. Tout d'abord, Le meilleur reste à venir de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel. Deux amis décident de tout plaquer pour profiter de la vie. C'est bien sûr une comédie, mais pas que. On change de registre avec Chanson douce de Lucie Borletot avec Karine Viard et Laïla Bekti. Ce drame est inspiré d'une histoire vraie et assez glaçante. Je ne vous en dis pas plus. Si la critique est partagée, il n'en reste pas moins que la performance d'actrice de Karine Viard est remarquable. Et puis quelque chose de beaucoup plus gai, Toute ressemblance de Michel Denisot avec Sylvie Testu, Franck Dubost et Jérôme Commandeur. Un présentateur de télé fait une audience record et de ce fait il se croit intouchable. Mais cela va créer des jalousies au sein de sa propre chaîne. Peut-être que c'est inspiré de quelque chose de vrai. When I take all of me, can't you... Voilà, c'est ma sélection pour le mois de décembre. Je vous rappelle qu'à Coutras, deux expos vous attendent. Pensez au marché et au concert de Noël. D'ici là, portez-vous bien, passez d'excellentes fêtes et restez à l'écoute de CLC Média. Merci à Jean-Yves à la technique et à Gégé qui filme l'émission. Salut à tous, à très vite et en attendant pendant les fêtes, et si on sortait ?